Good morning, allez, Idaïne et Susra aujourd'hui, la Lunishima David Ben Fortuna Mazal Fritna, Lucien Batraina et Moshe Ben Solvanish. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Nazir, Perik Dalet, Mishnah, Zain, Aish, Megaldeach, Al-Nezirut, Aviv, Ven Aisha, Megalachat, Al-Nezirut, Aviv, Ketzad, Mishaya, Aviv, Nazir, Vefrish, Mot, Stumi, Mal-Neziruto, Vamet, Vamar, Areni, Nazir, Al-Menat, Chagalach, Al-Maot, Abba, Amar, Biosi. Arre Eloui Ploulin Dava. Enze Megalacha Nezirut Aviv. Ezo Megalacha Nezirut Aviv. Mishayahu Ve'aviv Nezirim Ve'ifrish Aviv Ma'ot Stumim Nezirut Ovamet. Zeu She Megalacha Nezirut Aviv. J'explique. On va. Un sujet complètement différent de ce qu'il y avait dans les Mishnayot précédentes. Mais qui on va retrouver de nouveau la même notion avec les Ma'ot Stumim. Alors du coup, on va faire. Je vais expliquer d'abord à l'oral la quelques données. Principe de Nezirut, avec la problématique qui va être soulevée, puis après on va parler du cas particulier de la Mishnah avec la marloquette qui se passe. Le Nazir, lorsqu'il finit son rituel de Nezirut, il doit apporter trois korbanot, Khatat, Ola, Shlamim. D'accord? On a déjà évoqué que le korban Khatat. Maintenant, imaginez qu'il y a, pour une quelconque circonstance, on ne peut plus apporter la Nezirut, le korban Nazir, comme on a évoqué, parce que la femme, le mari lui a annulé, parce que le Nazir il est mort, on a trois korbanot devant nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors il faut bien comprendre, Ola, on l'apportera quand même, Shlamim, on l'apportera, mais on l'apportera encore en guise de korban Shlamim, parce que ces deux-là, c'est des korbanot qu'on peut toujours apporter de toute façon, même s'il n'y a pas de Nazir. Khatat, c'est très nominatif, pour la personne elle-même, donc on ne pourra pas apporter les korban de Nezirut. Ça, c'est le principe général de toute Nezirut. Maintenant, il faut savoir aussi, quelque chose de particulier, c'est ce qu'on appelle les Ma'ot Stumim. Depuis qu'on avait déjà étudié Maseret Kinim, on avait déjà beaucoup parlé de ça. Là, ça veut dire quelques mishnayot de Nazir qu'on voit le même principe, que on prend de l'argent et on dit ça, ce sera pour les korbanot de ma Nezirut. Moi, qui suis Nazir, je vais devoir, dans 30 jours, apporter trois korbanot, Ratatola Shlamim. Je peux désigner de l'argent pour le Khatat, de l'argent pour le Ola, de l'argent pour le Shlamim. Il y aura sur l'argent désigné le même statut que si j'avais désigné les animaux. Par contre, je peux aussi prendre une bourse d'argent. Et je dis, voilà, il y a ici de quoi payer pour trois animaux, j'ai encore rien désigné. Ce sera l'argent pour m'apporter mes korbanot de Nezirut. Alors là, cet argent-là, ça s'appelle des Ma'ot Stumot. L'argent qui est Satum, inconnu, genre on ne sait pas ce qui va se passer avec. Caché, on ne sait pas qu'est-ce que c'est désigné, pourquoi. Quoi qu'il arrive, il faudra que j'apporte avec cet argent de la Nezirut. Et il y a des halakhot particulières, et comme on avait évoqué dans les missions précédentes, là, avait un nouveau cas de figure. On va parler maintenant d'un cas de figure où il y avait un père qui était Nazir, qui avait désigné de l'argent Stumot, et après qui meurt, et que son fils, qui est aussi Nazir, il y a une halakha particulière qui pourra apporter utiliser cet argent pour emporter ses corbanos de Nezirut. Mais auparavant, avant de passer à ce cas précis, je vais d'abord évoquer maintenant une autre chose. Imaginez que le père qui était Nazir, il avait désigné un Khatat, une Ola et un Shlamim. Et Bassof, au final, le père y meurt, et le fils hérite de ces trois animaux. Il faut bien comprendre que le Khatat, on l'a tue. Il n'y a plus rien à faire. Ola et Shlamim, il faudra les apporter, mais le fils ne pourra pas s'acquitter de son devoir avec cet Ola et ce Shlamim. Parce que ça doit venir de lui-même, d'accord? Il y a une halakha particulière avec l'argent que le père a désigné pour apporter sa Nezirut. Il a pris 2000 shekels, il a dit j'apportais mes korbanot de Nezirut, et il n'a pas eu l'occasion de finir sa Nezirut, qu'il est mort. Et le fils, alors il y a une halakha, les Moshe Mishinaï, que le fils qui hérite de cet argent, il pourra lui aussi l'utiliser pour apporter ses korbanot de Nezirut. Dans la mesure où l'argent, ce n'était pas désigné quel korban spécifiquement, Khatat ou Shlamim, il peut utiliser toutes ces sommes d'argent maintenant pour apporter lui-même ses korbanot de Nezirut. La question de notre Mishnah est de savoir de quel cas de figure précisément tu parles. Est-ce qu'on parle que le fils va devenir Nazir après le décès de son père, ou bien même s'il était Nazir avant le décès de son père? Avec aussi une halakha, que tout ce qu'on va voir, c'est spécifiquement sur le fils qui hérite son père, mais pas chez la fille qui hérite son père. Vous savez que la fille, elle peut aussi hériter son père. S'il n'y a pas de frère, un père qui a que des filles, ses filles héritent de tous ses biens. Imaginez qu'il y a une fille maintenant qui est Nézira, et qu'elle voudra apporter les korbanot de sa Nézirut avec l'argent de son père, elle ne pourra pas l'utiliser. Cet argent-là, comme on avait évoqué,
l'argent du père, normalement, tout maot de Nazir, dès qu'on peut plus les apporter, normalement c'est l'argent qu'on donne en Nidava au Betamikdash. Pour notre cas de figure, il y a une halakha spéciale que le fils qui hérite tous les autres biens, il pourra même utiliser cet argent pour apporter sa korban de Nezirut. On va voir quel cas de figure. Est-ce qu'il était Nazir du vivant du père ou d'Avka, au contraire, il était Nazir après le décès de son père. Il y a une marloquette sur ça. D'accord? Mais la fille, en tout cas, qui va recevoir cet argent, dès que le père décède, il reçoit l'argent qui est des maot stoumot de Nazir. Maot stoumot de quelqu'un qui ne peut plus apporter ses korbanot. Il faut les amener en Nedava. On les apporte, on les donne dans la caisse du Beit HaMikdash qui s'occupe de l'entretien du Mizbeach qui achète des korbanot avec. Ouais, on avait déjà expliqué que le Mizbeach, il y a des périodes creuses dans l'année au Beit HaMikdash où il n'y a pas beaucoup de korbanot qui arrivent. Pendant les périodes de fête, ça explose de korbanot. Dans les autres périodes, il y a des fois, on passe des journées où il n'y a pas beaucoup de korbanot qui arrivent. On fait le tamid du matin, le tamid du Ben Arbaim. Au milieu, il y a eu comme ça deux petits moutons qui sont venus parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un korban toda et c'est tout, rien d'autre. Pour ne pas laisser le misbar chômer, on avait une caisse où il y avait de l'argent là-bas dans cette caisse. On la remplissait sous toutes sortes d'occasions. Et avec ça, on achetait ce qu'on appelle Ketsa Misbar. On achetait des korbanot de manière à ce qu'il y ait toujours un animal qui est en train de griller sur le misbar. C'est pas kavod, si jamais c'est comme si vous allez rentrer dans une très grande yeshiva, très bon betamidrash. Vous ouvrez le betamidrash, il est vide des personnes qui étudient. C'est quoi? Il faut qu'on soit un beau betamidrash pour que ça étudie la Torah. Même principe, un beau betamidrash, il faut qu'il soit sans arrêt entretenu avec des corbanotes. C'est pour ça qu'on avait une caisse où on avait toujours des corbanotes, on achetait des corbanotes qu'on faisait toujours griller. En l'occurrence, les maot stoumot, l'argent qui était désigné et que finalement le propriétaire ne peut plus apporter ses corbanotes, comme notre cas de figure où il est mort, comme le cas du mari qui a annulé le vœu de sa femme, tout cet argent-là, eh ben, ça tombe dans la caisse des Nedavot pour apporter des corbanotes. Ok. Maintenant, donc du coup, je reviens. Le père, il décède, il avait cet argent, maot stoumot. Le fils, il pourra utiliser cet argent pour apporter sa nezirut, mais la fille ne pourra pas, donc cet argent, il va devenir la propriété du Beit HaMikdash pour cette fameuse caisse où on apportait des korbanot constamment pour le misbéach. Nedava, Iplulin Nedava, ce qu'on appelle. Et on commence à traduire. Aish Megaleach al nezirut aviv. Un homme peut être Megaleach, il peut se raser la tête, c'est-à-dire apporter son rituel du rasage, donc sa femme de la nezirut, al nezirut aviv, sur le compte de la nezirut de son père. Par contre, une femme ne peut pas se raser les cheveux, c'est-à-dire ne peut pas apporter ça, acquitter son devoir de ses commandes lorsqu'elle devra se raser les cheveux quand elle finit sa nezirut, sur le compte de son père. Comment ça se présente? Kate, ça commence par le cas. Mishaya Aviv Nazir, celui qui avait son père qui était un nazir. Et ce père-là avait Frish Mot Stumim, et le père, il avait désigné. De l'argent qui était Satoum, qui était désigné pour à but pour le corban de la Nezirut, mais sans désigner quel corban précisément. Maot Stumim al Nezirutu, le père, il avait donc désigné de l'argent pour sa Nezirut, sans préciser quel corban précisément. Et bien, il va mettre, et ensuite il est mort. Ve'amar, et le fils, il a dit. Areni Nazir, le fils a dit donc, ça signifie, il a dit après la mort du père. Areni Nazir al-Menach al-Galach al-Mot Abba. Je prends sur moi une Nezirut, mais à condition que les corbanotes que je vais apporter, je ne vais pas le faire sur le compte, sur mon compte personnel, mais sur le compte que l'argent du père qu'il a laissé. Donc, Tanakama, il pense, c'est plus précis dans le Mishnah, je continue la phrase. Tanakama, il va me dire que c'est très bien, c'est exactement le cas de l'homme de celui qui peut faire apporter sa Nezirut sur le compte du père, c'est spécialement ce cas-là qu'on parle. Que le fils il prend la Nezirut avant le décès après le décès du père. Amar Rabbi aussi dit non, pas du tout. Arielu Iplu Nedava. Cet argent-là, il devra l'apporter en Nedava. Il devra l'apporter. Dès que le père il est mort, cet argent-là, qui était des mots to mot, il devient la propriété du Beit HaMikdash pour apporter les korbanot constamment, comme ce qu'on expliquait. Les Nedava. Par contre, Enzemel Galach al Nezirut Aviv, c'est un cas pareil. Ce n'est pas un cas où il se rasera. Au nom de la Nezirut de son père, c'est-à-dire sur l'argent que le père l'a désigné. Alors quoi? Ezeu Shemegalach al Nezirut Aviv. Alors quel est le cas où un homme a le droit de se raser les cheveux, c'est-à-dire finir son rituel de Nezirut al Nezirut Aviv sur le compte de la Nezirut du père? Comment se présente le cas? On ne parle pas du cas où il est devenu Nazir après le décès du père, mais Mishayahu ve'aviv Nezirim.
S'il y avait quelqu'un qui était lui et son père, ils étaient tous les deux Nézirim de leur vivant. Vifrish aviv maot stumim, et le père a désigné de l'argent qui était Satoum. Il a dit, avec ça, je vais apporter des korbanot. Les Néziruto, pour sa Nézirut, va mettre et après il est mort. Ça, dans un cas pareil, que c'était de son vivant, qu'il était Nazir, déjà, alors Zeu Shemegalach Nézirut aviv, c'est ça le cas de figure où le Nazir pourra se raser les cheveux sur le compte de l'argent qu'il hérite de son père. C'est-à-dire, je reprends le cas, le problème d'Ormi aussi, il est très simple. Il est juste que le père, Yaakov, et Reuven, c'est son fils, Yaakov, il avait désigné de l'argent pour la Nézirut. Si jamais Yaakov meurt et qu'il n'y a pas de Nazir qui doit prendre cet argent, il devient déjà la propriété du Bet-Amigdash. Tu peux lui maintenant décider, toi, de devenir un Nazir et de réutiliser cet argent. Tu vas pas pour devenir Nazir, tu vas dans le Bet-Amigdash, tu récupères de l'argent là-bas dans la caisse de Nedavet, tu as porté Korbanot, c'est quoi, tu fais un hold-up, tu es un voleur. L'argent, il est déjà devenu la propriété du Bet-Amigdash. C'est ce qu'il nous dit. Depuis le moment où le père décède et que son fils, il n'était pas encore Nazir, c'est trop tard, cet argent est devenu la propriété du Bet-Amigdash pour les Korbanot. Donc, l'histoire de la halakha de Moshe Sinaï que le fils il peut apporter des korbanot sur le compte de son père, on parle pas du cas où il prend la Nézirut après le décès du père, mais avant que le père décède. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.